Ça fait 30 ans que je te connais, c'est la première fois que tu es à l'heure. De temps en temps, faut être à l'heure. Je vous dis deux mots, les gars. D'abord, je voulais vous remercier du fond du cœur d'être là aujourd'hui. C'est une fête, on est en famille, vous le savez bien. Et puis, c'est aussi pour moi l'occasion de systématiquement remercier le boulot que fait Momo Kiri depuis des années et des années. Mais toutes celles et ceux, parce que tous ceux qui sont ici, voilà, on a l'impression qu'on s'est quitté hier et qu'on est heureux de se retrouver. On dit souvent le CHI c'est une famille, mais moi je peux dire que le club de foot du CHI depuis des années, ça a toujours été le cas. Sérieux sans prendre au sérieux. Je suis très très heureuse de voir un match avec Gires, avec Issaras. J'ai plein de raisons d'être là. Mon père était médecin et c'est au profit du personnel médical, donc je trouve ça formidable. Et puis je suis d'origine pisciacaise, vous savez, je suis né ici. Donc j'ai toutes les raisons du monde d'être là et puis de donner le coup d'envoi, ça me fait bien rire. Première fois que je donne un coup d'envoi de toute ma vie. Et pour quel match ? Avec des joueurs qui tuent, quoi. Vous me disiez qu'il y avait une relation, un rapport entre musique et football. Mais oui, la relation, c'est à la fois le corps, à la fois l'esprit et beaucoup de cœur. Merci Catherine, on peut vous applaudir. Bah écoutez, déjà on est content d'être ensemble et de retrouver des gens qui partagent une passion commune. En plus, je découvre Poissy, je dois le reconnaître. Je pense que les gens sont contents de pouvoir ressortir et de se retrouver dans une tribune et de voir des joueurs de foot. Je ne parle pas de moi, je parle de ceux qui jouent avec moi. C'est un réel plaisir de retrouver des amis, un terrain, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger. Alors aussi avec certaines règles à respecter. Mais ça manque, oui, ça manquait, ce genre de choses manquait. Donc, plus il fait beau temps, donc tout est réuni pour passer une bonne après-midi. C'est important d'être présent à tous ces matchs-là parce que c'est une marque de reconnaissance. Et c'est surtout le moyen aussi de ramasser des fonds, de récupérer des fonds pour des gens qui en ont besoin. On échangeait avec M. Arsène Wenger tout à l'heure, où il me disait, mais c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir mobiliser des bénévoles comme vous avez pu le faire. Mais à Poissy, on a la chance d'avoir des bénévoles exceptionnels. Et quand on essaye d'organiser des choses, on peut le faire parce qu'on travaille en équipe. Et je vois qu'on applaudit très fort les quelques 200 bénévoles qui sont avec nous cet après-midi de la ville de Poissy pour organiser cette belle manifestation. Vraiment impressionnant, mais de toute façon, nous, on n'est que des amateurs, mais on va jouer contre des pros malgré l'âge et on sait à qui on a affaire. Au personnel soignant, au personnel médical, à l'hôpital de Poissy, aux infirmières libérales, aux aides-soignants, à toutes celles et ceux qui, pendant plus de 6 mois et depuis 6 mois, ont contribué à sauver des vies. Voilà, donc les 2000 euros offerts par la ville de Poissy au travers du PS, à Jacques aux variétés et évidemment à la Fondation des hôpitaux de Paris, Madame Macron, aux hôpitaux de France et à Urma pour notre ami Laurent Blanc. Voilà, merci à toutes et à tous du fond du cœur. Vive Poissy, vive la variété, vive la République et vive la France.